c'est Lozologue, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu de Skywars. Voilà, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, c'est magnifique, un petit peu de Skywars, c'est toujours sympathique. Et du coup on va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner, si on peut s'en sortir d'une manière correcte. On va essayer de faire de notre mieux, j'ai envie de dire, pour remporter un petit peu toutes les games qu'on va faire. Je le promets pas. C'est sûr, je le promets pas, mais bon, écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et moi, je vous retrouve une fois qu'on est en vidéo, hein, tout de suite. Et les gens, on se retrouve donc pour la première game. Voilà, on prend le petit kit Elder Chest qui rajoute un petit peu de stuff, hein, puisqu'on a un autre coffre, un quatrième coffre. C'est plutôt sympathique, hein, quand on est en jeu. Donc écoutez, je suis preneur. Hop. Ok, on a déjà un plastron en diamant, c'est bien. Il n'y a pas d'épée enchante. Ah, yes! Ok, bon, on a une épée qui est plutôt efficace, hein. C'est le but d'une épée enchante, donc on a moyen de terrasser 2-3 joueurs au moins. Je l'espère. Hop, on va prendre les petits blocs de stone et on part pour rush le mid. Alors j'ai pas beaucoup de blocs, ça devrait faire l'affaire pour le pont. Oula, mais toi t'es pas stuff du tout. Oula là là là, mais toi t'es pas stuff du tout, hein. On va aller s'occuper de toi direct. Bonjour, alors hop, si tu pouvais éviter genre de fuir, ce serait bien. Hop. Et hop là, voilà, nickel. On a déjà un plastron, ouais. Un pantalon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as pas de plastron non plus, hein. Il a pas de plastron. Ouais. Hop, hop, et hop. Voilà, j'ai pris des risques, hein. J'ai pris des gros risques avec la chute, tout va bien. Hop. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, toi? Quel est ton concept dans la game? Hop. Non. Oui, non. Oui. Hop. On commence à stuff mal, hein. Je dis ça, je dis rien, c'est un constat. Hop, on va bouffer une petite pomme. Est-ce que j'aurais pas par pur hasard un arc? Non, j'ai des flèches mais j'ai un arc. Qu'est-ce que je raconte? Je suis vraiment perché. J'ai des flèches mais j'ai pas d'arc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On y arrivera. C'est l'essentiel. Wow. Hop, voilà. Un peu de speed, une popo de poison, et on arrive. Et on re-arrive. Ah, ça lag, hein. Ça lag, c'est horrible. On est presque. Allez, mais... Un petit peu de vitesse. Hop. Et... Hop. Voilà, nickel. Et il en a pris du temps pour se faire tuer, les gars. Hop, pourquoi j'ai des popos d'enchant? Ça me sert un peu à rien. Est-ce que tu avais un arc par pur? Non, parce que c'est pas que je suis en recherche d'un arc depuis tout à l'heure, mais tout de même. Non, il n'y avait pas d'arc. Tristesse. On va construire une maison. Écoutez, il est temps d'améliorer nos talents un petit peu dans la game. Du coup, c'est parti pour faire une base militaire. Pas du tout militaire. Hop, voilà. Voilà. Hop. Yep. Ok, ça va être une base hautement dangereuse qui va servir à la protection tout d'abord de ma personne. Hop, voilà, c'est ma base. On va rajouter un petit peu des pics en gros. Parce que genre, quand il y a des pics, en gros, les gens ils vont se dire oh là là, il y a des pics, je viens pas sinon je vais me piquer. C'est le but des pics en même temps. Et du coup, voilà, là, on est dans une base imprenable qui nous permet d'avoir une vue sur toute la game. Hop, on va se faire une petite tour qui monte. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des gens? Il reste un joueur, mais je sais pas où il est. Est-ce que vous pensez que si on le demande où il est, ça va marcher? Where are you? Voilà. J'espère que c'est un gentil ami qui va être très coopératif et qui va nous dire sa position. Même si, autant vous l'avouer, j'ai des doutes, hein, sur l'efficacité de ma technique. Oh, le plastron P4 par contre, c'est plutôt pas mal. Le plastron P4, je suis preneur. Hop, le coffre, en fait, si tu t'ouvrais, ce serait plutôt pratique. Je t'explique le concept. Oh, un arc, oui. Bordel de merde, un arc, yes. Et une boussole en plus. On va aller traquer le joueur. Où es-tu, monsieur? J'ai enfin un arc, c'est bon, j'ai tout gagné. Ah, il est là. Hop, une flèche. Deux flèches. Trois flèches. Ah, ça lag. Ça lag horriblement. Quatre flèches. Non, mais non. Bah oui, non. Bon,
Ok, une game ma foi plutôt sympathique, on a fait quoi 5 kills, ouais. Plutôt pas mal, bah écoutez, ouais, c'est cool. On va quand même enchaîner sur une autre game, parce qu'elle était un petit peu courte. Donc écoutez, je vous retrouve dès qu'on a lancé une autre game. Et les gens, on se retrouve donc pour la seconde game, voilà, hop, je prends mon petit kit Ender Chest toujours. Et j'avais une question avant que la seconde game commence, même si c'est un petit peu raté le avant, la game a déjà commencé, mais bon, tant pis. J'aimerais savoir, est-ce que ça vous plairait sur la chaîne de revoir, je dis revoir, hein, parce que j'en avais déjà fait auparavant, des maps, tout simplement, des maps, genre même des let's play, genre sur une map par exemple, genre pas genre juste une vidéo sur la map, parce que j'ai trouvé une map qui s'appelle The Shadow Maker qui est vachement longue mais vachement intéressante, donc ça pourrait peut-être vous plaire si on la faisait. Donc je vous demande votre avis, si vous avez envie que je la fasse, bah écoutez, dites-le moi dans les commentaires, si vous n'avez pas envie, dites-le également, hein, parce que comme ça je saurai ce qui vous intéresse ou pas. Et est-ce que ça vous intéresserait aussi si je faisais des UHC? Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est des UHC déjà, j'ai envie de vous dire sortez de votre grotte, mais en gros le UHC c'est un peu un survival games, mais on part avec rien. Et il faut aller se miner le stuff, donc bon, ça dure environ une heure une game, et ensuite le seul moyen de régène, il faut le savoir, c'est les pommes d'or et les potions de soins, de régène, tout ça. Donc on régène pas naturellement, donc ça donne des games assez compliquées. Oh, bonjour l'anti-cheat, ça va? Hop, l'anti-cheat qui est toujours en train de me considérer comme un gros cheater, après tout je suis un énorme tricheur du jeu cubique. Hop, on a un arc power 5, c'est plutôt pas mal. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Il y a beaucoup de gens. Qu'est-ce que je me suis claqué sur la tronche? Je me suis claqué une potion, je sais même pas ce que c'est en fait. J'espère que c'est de la régène. Ouais, c'est de la régène. Bonjour à toi, petit inconnu. Hop, 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 hop. Ça fait mal l'arc, hein. ça fait mal le power 5. Voilà, il s'est. Et il a préféré sauter dans le vide que d'affronter le grand Léo 5. Oh, tant pis. Bref, bonjour, comment vas-tu, petit joueur sauvage? Hop. Un petit coup, un deuxième coup, un troisième coup, un quatrième coup. Et tu es mort et nous gagnons la partie. Une partie très compliquée, donc je récapitule, hein, juste. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires pour les maps ou pour les UHC, ça me plairait si je pouvais savoir. Et puis voilà, comme ça je peux savoir. Et puis peut-être même initier laser à l'UHC s'il est chaud. Il découvrira le jeu le plus hardcore du monde avec ses skills extravagants. On va voir ce que ça donne. Ça pourrait être drôle. Bref, on se retrouve pour une troisième game et je pense qu'on se lâchera là-dessus. Hein, écoutez, on en a déjà fait pas mal, on a déjà gagné pas mal de games et du coup, je vous retrouve tout de suite. Et les gens, on se retrouve donc pour la troisième game. Voilà, hop, on va prendre le petit kit Ender Chest comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Hop, la double barre de vie, on vote pour ça, on sait jamais, un jour ça arrivera peut-être. Pas pour l'instant en tout cas. Hop, on s'équipe de notre stuff, toujours l'anti-cheat qui nous tourne autour. Bonjour, bah, il est parti déjà, c'est triste. Hop, on va prendre notre petit plastron. Ouais, bon, on n'est pas stuff de ouf, hein. On va pas se le cacher, c'est pas. J'ai connu mieux. Mais bon, écoutez, on va dire qu'il y a pire quand même, donc on va faire avec. Hop, on va aller attaquer les gens. Bonjour. Alors, qui se trouve là? Un jeune inconnu, déjà, ça c'est la logique des choses. Mais un jeune inconnu qui avait PVP dans son pseudo, donc c'était un roi du PVP. Malheureusement, il est mort, il a succombé contre notre puissance inestimable, j'ai envie de vous dire. Hop, voilà, on prend les enderperles, c'est parfait. Bonjour à toi, cher ami cubique. Hop. Et c'est moi, il prend pas du tout de knockback. Je dis ça, c'est juste un constat, mais genre. J'ai l'impression que je lui avais calé une flèche. Salut! On va rester un peu de temps ici, hein. J'avais pas calculé qu'il y avait quelqu'un derrière. Ça picote. Ouais, ça picote. C'est le cas de le dire. Ah, il m'a fait peur, le gars. C'était pas possible, j'ai fini ma rage, j'étais en mode ok, c'est bon, c'est déjà foutu, mais j'avais oublié que j'avais des enderpearls, donc tout va bien. Hop, 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 j'ai totalement foiré la flèche, hein. Aïe, mais arrête de me frapper comme ça, mais bordel, mais le mec a prévu mes tirs. Bon, allez, hop, fais pas chier, genre il a régène, hop, j'ai raté mon enderpearl. Non, putain, j'ai raté les enderpearls. Dommage. Bon,
Une game assez assez mouvementée et nulle. Mais bon, écoutez, tant pis, on va se laisser là-dessus sur une petite défaite. Tant pis, hein, écoutez. Nous ne sommes pas non plus des maîtres du player vs player, alias PVP, hein, comme ça. Si vous ne saviez pas ce que ça veut dire, bah ça veut dire player vs player, voilà. On en apprend tous les jours sur la chaîne de Leozolex, c'est magnifique. Bref, du coup, les gens, moi, écoutez, si la vidéo vous a plu, bah, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir, ça m'aiderait. Ça m'encouragerait tout simplement à continuer mes vidéos, puisque les avis et tout ça, c'est toujours ce qui est le plus important dans le parcours d'un youtubeur, et ça ne prend pas longtemps. Je vous invite aussi à mettre un petit commentaire et à partager la vidéo avec vos amis, c'est le meilleur moyen de faire avancer la chaîne. Donc voilà, c'est tout ce que je vous demande, pas grand chose, et puis voilà. Moi du coup, je vous dis à très très bientôt les gens, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. C'était Léo, et merde, j'ai lancé déjà une game, voilà. Bon allez, ciao ciao les gens. On remarquera quand même que j'ai un compteur de souls qui a 400 sur 100, hein. C'est un constat. Juste un constat.